avez entendu parler de ce honteux scandale. Une responsable d'un service d'adoption a déclaré que pour les familles homoparentales qui désiraient adopter un enfant, eh bien, on leur réservait un môme atypique. Voilà. C'est-à-dire un enfant un peu cassé, physiquement ou psychologiquement. Enfin, un enfant que personne ne veut, quoi. Non, parce qu'il y a des gens qui pensent, encore aujourd'hui, hein, au XXIe siècle en France, en 2018, que quand tu es homosexuel, tu n'as pas à avoir une vie normale. Parce que toi-même, tu n'es pas normal. T'as une maladie, t'as un truc génétique, un virus, un microbe. Bon, moi j'ai des amis en couple, ils sont homosexuels, bon ben ils viennent d'adopter un enfant. Désolé, je vois pas ce qu'il a d'atypique, le môme. Oula. Oula. Vous voyez quelque chose, vous? Est-ce qu'on peut passer un message à la dame du service d'adoption qui a déclaré ça? Oui, je peux. Bonjour, madame Cro-Magnon.